Bonjour, que puis-je faire pour vous? Non mais attends, il manque pas quelque chose là. Quoi? Ah, le sourire, ton sourire. Non mais regarde-moi, c'est très important de sourire quand t'accueilles le client, ça change tout. On recommence? Vas-y déjà, tiens-toi à droite. Voilà, le dos bien collé au dossier. Voilà, essaye de trouver une posture naturelle. Applique-toi, vas-y, recommence. Bonjour, que puis-je faire pour vous? La cigarette sera finie, ça sera fini pour toi. Quel âge tu as? Tu veux pas me dire? Comment tu t'appelles? Aisy. C'est pas un nom, c'est Aisy. Mais c'est facile à se rappeler. C'est comment ton vrai nom? Je n'aime pas mon vrai nom. Vas-y, dis-le. Même si tu l'aimes pas. Iris. Tu te rends compte, ça? Qu'est-ce que tu reproches à ce moment-là? Je le trouve très joli, moi. Ouais, toi, tu trouves. Non, fais pas ça. Tu te souviens pas de moi? Ici, la fois où t'es monté dans un taxi. Même que c'était un taxi jaune. Quand t'as ouvert, c'est un Mathieu qui s'est pointé. Il a dit qu'il voulait pas que tu partes. Il t'a prise par le bras. Ouais, bah alors là, tu vois, je me souviens pas. Tu te souviens pas du tout de ça? Non. Bon. Ça fait rien. Moi, je vais tirer de là. Ouais, mais on ferait mieux de s'y mettre. Sans quoi ce porc, il va piquer sa rage. T'as une préférence, ça? Je suis pas venu pour ça. Qui c'est, Sport? C'est Mathieu. Moi, je l'appelle Sport. Tu veux pas qu'on commence tout de suite? T'as faim, mon bébé? Maman, je suis pas ton bébé. Qu'est-ce qu'elles ont, ces chaussettes-là? Rien. Mais qu'est-ce qu'elles font dans la poubelle? Maman, j'ai plus envie de les mettre. J'ai besoin de vêtements neufs. Pourquoi faire? Parce que j'ai l'air d'une plouque. Regarde-moi ça. Attends. J'ai cousu de la peau de léopard, tu sais, comme la veste qui te plaisait dans la boutique. Ça coûtait que 5 euros, c'est beau, non? La fourrure, elle était plus épaisse au magasin. Ok, si ça te plaît pas. Maman! Je suis pas venue pour ça. Qui c'est, Sport? C'est Mathieu. Moi, je l'appelle Sport. Tu veux qu'on commence tout de suite? Écoute. Je sais pas, c'est pas si difficile à comprendre. C'est toi qui montais mon taxi ce soir-là. C'est toi qui voulais tout plaquer. Ouais, mais je devais être vachement défoncée. Pourquoi? Je comprends pas, être drogue. Ah, dis pas de conneries. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas baiser? Non, je t'ai déjà dit que non. Je veux t'aider. Mais c'est à moi t'aider, monsieur. Merde, c'est pas vrai! Merde, quoi! Qu'est-ce que t'as dans la tête? Putain. Bon, non, t'es pas obligé. Enfin, merde, t'as pas envie de faire autre chose? Tu comprends au moins pourquoi je suis montée? Oui! Oui! Je crois que oui. Un soir, c'est moi qui ai voulu monter dans ton taxi. Et maintenant, c'est toi qui veux m'emmener. C'est ça, hein? Bah oui! Alors pourquoi tu veux pas partir? Je peux partir quand ça me chante! Alors pourquoi t'as mis ça ce soir-là? J'étais défoncée, je te dis, tu comprends? C'est pour ça qu'ils m'ont reprise! Et même quand je ne suis pas, j'ai nulle part où aller, alors. Tout ce qu'ils font, c'est me protéger contre moi-même, tu vois. Vas-y, applique-toi. Non, mais je caricaturais pas du tout. Ok, c'est un exercice. Va pour t'entraîner. Mm-hmm. Non, vas-y, applique-toi. Ouais, sauf que moi, j'ai rien demandé et j'ai pas besoin de ton aide. Hein. En plus, je fais tout ça pourquoi? Pour un boulot d'hôtesse à la con qui est payé le SMIC. D'accord, donc t'as pas envie de t'insérer dans la société?
Toi, je fais ça pour toi, pour que tu puisses trouver ta place. Et toi, tu continues ta provoque à deux balles, là. Tu crois quoi, dehors? Tu crois qu'ils t'attendent? Tu vas leur faire ce numéro, là, tout à l'heure? Et d'où vous me parlez comme ça? Vous êtes qui, vous, pour me parler comme ça? Je suis ta prof, alors tu me respectes. Tu fous tout en l'air depuis tout à l'heure parce que t'es bornée et tu fais perdre du temps au groupe, en plus. Tu veux quoi? Tu veux continuer ta provoque à deux balles? C'est ça? Ça va? Retourne t'asseoir, là, tu veux pas travailler, ça sert à rien. Non, mais allez, quoi! Va t'asseoir. Vous gagnez combien? Ça te regarde pas, tu vas t'asseoir, tu m'énerves. Non, mais allez. 1300, 1600 grand max. Vous retirez 800 de loyer, 300 euros de cours CED. Il y a des poussières, hein. Bon, c'est bon, tu la fermes, tu vas t'asseoir. Non, pas ça. La pauvre Mesquina, elle n'a pas les moyens d'aller chez Carrefour. Du coup, elle va chez ED. Et elle vient me donner des leçons. Bon, c'est bon, tu sors, là. Tu sors, je veux plus te voir. Tu sors. On va toujours essayer, hein. Écoute. Je te trouve gentille, tu sais. Et je parle sérieusement cette fois. Vraiment. Je peux te revoir? T'as de ces questions? Je parle pas de ça! Je pensais te sortir. Te fréquenter. C'est pas une vie que tu mènes ici. Bon, petit déjeuner demain, ça te va?